suis arrivé, il y avait ce projet qui était sur les écoles élémentaires du réseau Romain Rolland. Et avec Jean-Pierre Chasseret, on avait commencé à réfléchir à étendre le projet sur le réseau d'éducation prioritaire de Pôle Emploi. Et effectivement, aujourd'hui, bon, je ne suis plus sur l'émission, mais je vois avec grand plaisir que ce projet a abouti, puisqu'il y avait des élèves des écoles élémentaires du réseau Louis Pôlan. En fait, c'est un projet qu'on avait initié pour résoudre des problèmes de violence scolaire. Et puis, on a complètement étendu. Maintenant, on est sur des vraies compétences sportives, des compétences de collaboration, des compétences autour du code moral du judo. Et ce type d'événement participe vraiment à montrer la collaboration étroite qu'on a entre les clubs, notamment le coach judo, la direction académique et l'inspection de Sartrouville. Le projet m'intéressait parce qu'effectivement, il existait déjà avec trois écoles de Sartrouville sur le REP Romain Rolland, et on avait une grande ambition, c'est-à-dire de toucher aussi le REP Pôlan. Donc, quand Jean-Pierre Chasseret, le président du club, m'a parlé un petit peu de cette ambition d'étendre le projet à d'autres élèves, l'éducation nationale y a vu immédiatement l'intérêt pour les élèves. Et voilà, donc on a monté le projet qui concerne aujourd'hui plus de 700 élèves sur notre circonscription. Alors, moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'au départ, certains élèves étaient très réticents à l'idée de faire du judo. Certains demandaient si c'était obligatoire ou pas. Et au final, ils ont tous vraiment apprécié. Ils étaient tous. Le kimono, ça pose vraiment un cadre. Et c'est une activité qui leur a permis vraiment de s'épanouir. Et même les enfants qui étaient réticents, finalement, ont apprécié cette activité parce qu'elle était menée avec un cadre bien précis. Le projet a beaucoup évolué. On a commencé à peu près à 200 élèves. Et là, on finit à peu près à 750 élèves sur 33 classes, de CM2, CM1. Là, pratiquement tous les entraînements des écoles, les enfants ils ressortent les yeux bien ronds, quoi. Et on a un bon retour des enseignants aussi.